fini pour moi. J'ai cassé la jarre. Maman va me tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à la maison? La chat, j'ai cassé la chat. Maman va me tuer aujourd'hui. J'ai cassé la chat. Qu'est-ce que je vais dire à la maison? Oh, la chat. Ce n'est qu'une jarre. Il faut te calmer. Calme-toi, ma fille. Oulima, Oulima, il y a quoi? De quoi l'accuse-t-on? Non, il n'y a rien de grave. Personne ne l'accuse. Oulima, mais tu as quoi? J'ai cassé la jarre. Tu as cassé notre unique jarre? Maman, j'étais en train de me rendre au champ et subitement j'ai entendu des pleurs. Et lorsque je suis allé regarder, c'est votre fille qui pleurait. Vraiment, elle pleurait et s'enroulait au sol. Tout simplement parce qu'elle a cassé une jarre. Et malgré tout ce que j'ai pu faire, vraiment, elle refuse et continue que de pleurer. Et c'est même par force que j'ai pu la ramener pour que vous puissiez la consoler. Merci. Merci. Non, je vous en prie. Oulima, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'avion. C'est l'avion. Il y a 3 semaines, je l'ai vu s'envoler au-dessus de ma tête. Et j'ai eu peur. Aujourd'hui, je l'ai vu à nouveau. Et c'est en courant que la jarre s'est cassée. Voyez-vous, c'est à cause de la peur qu'elle a cassé la jarre. Hein? D'accord, merci. Je vous remercie de l'avoir ramenée à la maison. Sans problème, je dois m'en aller. Mais s'il vous plaît, laissez-la se laver et donnez-lui à manger. Parce qu'à cause de cette jarre qui s'est cassée, croyez-moi, elle est troublée. J'espère que vous me comprenez. Merci. Vraiment, merci beaucoup. D'accord. Je vais m'occuper. Maintenant, je m'en vais. Ouli, il faut te calmer. Au revoir. Maintenant, ça suffit. Calme-toi, non? Tu ne vas pas te tuer à cause d'une jarre. Tu m'écoutes? Maman, va je à ne voulais pas casser cette va jarre. Dedans. C'est juste arrivé. Je sais que tu vas souffrir maintenant pour nous acheter une autre jarre. Ah non, ma fille. Je ne souffrirai pas. D'accord? Demain, ton oncle viendra de la ville. Hein? Et il te prendra avec lui. Et une fois là-bas en ville, tu m'achèteras une grosse jarre. D'accord? Alors, cesse de pleurer, ma fille. Calme-toi. Va à l'intérieur te laver et te reposer. Tu ne peux quand même pas te tuer juste pour une jarre. Tout ceci, hein? Juste à cause de cet avion. C'est quoi tout ceci? Oluma, cesse de pleurer.
Oluma. Hmm? Demain, d'accord? Demain, ton oncle viendra te chercher pour t'amener en ville. Tu ne veux pas aller? Maman, si je vais en ville, je n'aurai pas une mère là-bas qui prendra soin de moi comme tu le fais. Ça va aussi me manquer. Un endroit qui me donnera la chaleur comme ici. Ça ne me plaît pas d'aller là-bas. Car je n'aurai plus la brousse, ni le ciel où j'admire souvent l'avion volé. Oulima, il faudra partir. D'accord? Tu partiras. La vie en ville est très bien. D'accord? Il faut que tu partes. Tu n'auras plus le temps d'aller chercher du bois pour le feu. Là-bas, tout est bien. Crois-moi. Mm-hmm. Là-bas, tu n'iras plus puiser de l'eau. Tu n'auras qu'à tourner un bouton comme ça. Oui, et puis l'eau va couler. Et quand tu auras faim, tu auras toujours à manger. N'est-ce pas, tu partiras? Mon enfant, faut aller. Maman. Maman, si je vais en ville, qui prendra soin de toi? Comment feras-tu sans moi? Oh, ne t'en fais pas. Dieu saura s'occuper de moi. Hein? Écoute, Dieu s'occupera de moi, d'accord? Oulima, est-ce que tu sais que moi, ta maman, j'étais allée en ville avant? C'est vrai? Oui, bien sûr. Alors, raconte, maman. Un jour, en ville, j'ai vu un blanc manger des œufs crus. Tu n'as jamais vu? J'ai couru comme une folle. Aïe! Et lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. C'est pas vrai, ça! Jure, mon enfant. Oulima, c'est ce jour-là que j'ai pris mon sac pour retourner au village. Ma tante ne voulait pas, mais je suis quand même rentrée. Et c'est ici que j'ai connu ton père. Et lui et moi ne sommes plus allés en ville jusqu'à ce qu'il décède. Et pourquoi vous n'êtes plus reparti là-bas? Parce que nous deux n'étions pas allés à l'école, vois-tu. Et ton papa ne voulait pas que nous apprenions le ABBBB pour aller vivre en ville. C'est pour ça que nous sommes restés ici pour vivre ensemble. Et nous aimions le village et le village nous aimait. Et nous nous sommes contentés de rester des fermiers. Hein? Maman, ça ne te plaît plus d'aller au champ? Oh, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? J'aime le champ, mais Oulima, mon enfant, je veux quelque chose de bien pour toi. Tu m'écoutes? Il faudra que tu partes en ville. Comme ça, tu auras une autre vie différente de la mienne. Et puis, tu es encore très jeune. Hein? Crois-moi, quand tu seras en ville, tu verras beaucoup d'avions. Hé, maman, donc il y a aussi des avions en ville. C'est ce que je te dis. Et peut-être tu pourras rencontrer un blanc qui pourra te donner des habits. Hein? Tu es d'accord de partir? Il faudra aller. En plus, Bénédicte est une bonne personne. Mange, ma fille. Pose-moi des questions, je t'expliquerai. Pour commencer, les filles de la ville mettent des choses comme du sang sur la bouche. À chaque fois qu'elles sortent, elles appellent cela maquillage. Oui, maquillage. Nous ne voudrons jamais entendre que tu as fait cela. J'espère que tu m'as compris. Est-ce que c'est clair? Bon, pour continuer. Et elles ont des ongles longues comme celles des sorcières et les peignent de toutes sortes de couleurs.
Et en regardant cela et en nous considérant comme ta famille, tu ne devras jamais faire cela. Quand tu seras en ville, si le chien doit combattre et gagner, cela signifie qu'il est le meilleur. Alors nous voulons que tu sois la meilleure, Olima. Est-ce que tu m'as entendu? M'as-tu vraiment entendu? Ce n'est pas tout. Fille de la ville met aussi sur la tête des cheveux, on dirait des fétiches. Elle me met aussi sur le visage de poudre. Et quand elle sue, elle ressemble à une banane pourrie. Ou à un cochon blanc taché de noir et de rouge sur tout le corps. Toi, tu ne sais comment parler, mais tu parles mieux que tout le monde. Faut pas m'insulter. S'il te plaît, il faut m'excuser. Oui, maman. Tu as écouté tes oncles. Hein? Je sais que tu es une bonne fille. Et je crois que tu ne cesseras pas d'être une bonne fille. Alors, quand tu arriveras en ville, cet oncle-là, tu devras beaucoup le respecter. Hmm? Il faut le respecter. Il faudra servir ton oncle et sa femme très bien. Hein? Comme ça, ils auront la bonne volonté de t'envoyer étudier à l'école. D'accord? Et comme ça, tu pourras nous envoyer des habits et même des meubles. Hmm? C'est tout ce que j'ai à te dire. Hein? Je sais que je t'ai très bien éduqué. Bien. Vous n'avez pas à vous...